Alors Rachid, comment tu trouves le cadre? Vraiment le cadre est magnifique. Très magnifique Michel. En tout cas, je suis très content de la pertinence, de l'importance que vous accordez à notre discussion. C'est vraiment somptueux. Je suis très content vraiment de l'importance que vous accordez à notre dialogue. C'est très calme. Et en plus, il y a une très bonne fraîcheur ici. Ouais, mais c'est le fleuve Congo, hein. Bon, on va là-bas. J'ai préféré que notre dialogue, notre entretien se déroule là. Là? Oui. J'ai aménagé un endroit là. Un instant, je vais t'indiquer le chemin à suivre. Il y a une très bonne fraîcheur au bord du fleuve Congo. Oui, c'est l'eau du fleuve Congo. Voilà, la serveuse qui arrive. J'avais demandé à la réception qu'on te prépare ton thé au citron. Oh non. Et c'est pas seulement ma boisson préférée, mais tu vois Michel, je préfère aussi diversifier. Ouais. Même s'il faut choisir les moins bons. Ça c'est vrai. Je préfère aussi la diversification, c'est-à-dire diversifier la boisson. Qui ne soit pas alcoolique, bien sûr. Même s'il faut choisir les moins favorables. J'espère que c'est ça la nature de l'être humain, Michel. Tout à fait. Bon, c'était la cerveuse. Ouais, c'est la cerveuse. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Là, vous êtes vraiment rentré dans votre bain. Salam. Salam qui signifie la paix. Ah ouais, ça c'est très bien. Je vous apporte du thé au citron comme prévu pour votre invité. Moi juste un jus d'orange. Vous préférez diversifier aujourd'hui avec quoi? Non merci, juste un verre. Merci, étant donné la pertinence du sujet, je brûle d'envie de vous voir aller tout droit au but. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salam an nabi Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Avant de commencer toute chose, toute louange sont pour Allah et les saluts de Dieu soient sur le prophète de Dieu, sa famille ainsi que ses compagnons ainsi que tous ceux qui le suivent. Traditionnellement, nous commençons tous nos entretiens par cette formule.
Et je suis très, très heureux pour votre motivation et la pertinence dont vous accordez à notre entretien. Merci. Voilà. Merci. À la santé. Merci. Alors. Ouais. J'ai préféré Rachidi. Qu'on s'isole hein, de ce côté, tu vois, c'est très calme. Question de mettre notre entretien à l'abri de tout ce bois. Il n'est pas raisonnable de dire aujourd'hui que l'homme mangeait la viande des moutons et portait la laine dans les anciennes alliances devient une conduite sauvage ou diabolique. Mais plutôt, on peut dire, la promotion qu'il tirait de l'homme peut développer ses travaux afin qu'il réponde à ses besoins et garantir ses intérêts. C'est ce qu'a apporté l'islam. Comment ? Tu dis que de nombreux liens ou relations sexuelles en dehors du cadre conjugal sont largement diffusés chez nous et dans la société occidentale. C'est une injustice particulière aux femmes et une corruption particulière pour la communauté. Et c'est une relation qui ne conduit pas à la stabilité psychologique et n'établit pas une société saine. Alors, si la polygamie a existé dans les anciennes civilisations sans normes, l'islam est venu et a donné la justice à la femme quand il a répondu à ses besoins et a fait d'elle un partenaire légitime dans les mariages et a mis des normes et des restrictions sur les pères pour une garantie qui est la plus grande quantité de facteurs de succès de cette entreprise sociale. Par là, tu comprends donc que l'islam prend garde aux intérêts des femmes et compare la suppression de luxure de l'homme et son lancement. Et tout cela dans le cadre de la première entreprise sociale qui est assez détruite dans vos pays. Et chez nous, c'est la famille. Les statistiques scientifiques démontrent que les taux de naissance masculine et les taux de naissance féminine sont presque neutres. Et si nous appliquons les principes de la polygamie, certains hommes vont rester sans femme. Et cela aussi serait très dangereux. Les hormones des hommes activent les gènes qui causent les maladies du cœur et saillances sanglantes. Ajoutez à cela la probabilité d'assassinat. Dans les pays en guerre, dans lesquels s'enflamment les conflits, il est différent. Et les risques associés à la participation à des actes de violence, ainsi que d'autres phénomènes sociaux, tels que les accidents de route. Vous trouverez qu'il y a toujours un taux très élevé des hommes à chaque accident. Tu peux comprendre par là que la proportion des femmes dans la communauté dépasse toujours la proportion des hommes. Et c'est une réalité attestée par les statistiques de la population dans la plupart des pays du monde. Michel, et ajoutez à cela la prévalence du problème du nombre de personnes divorcées et des veuves. Michel, est-ce que tu vas laisser les femmes non mariées à souffrir des problèmes psychologiques et sociaux ? Et qu'elles soient poussées à mendier leurs droits pour satisfaire leurs désirs innés et subtils ? De l'effet négatif qui aura sur elles et sur la santé de la communauté. Elles concentrent l'essentiel de leur attention sur leur corps ou sur leurs enfants à cause d'un hormone appelé l'oxytocine qui augmente leurs relations avec leurs enfants. De nouvelles études indiquent que certaines parties spécifiques du cerveau de l'homme sont deux fois plus grandes que celles des femmes. Ah bon? Et peut-être la plus grande différence entre le cerveau masculin et le cerveau féminin est que les hommes ont une zone responsable du désir sexuel des fois et demi plus large que celle de la femme. Mon ami Michel, mettons les sentiments religieux à côté. Est-ce que tu crois que ces différences n'ont pas d'impact dans les faits? Bien sûr que ces différences ont d'impact dans les faits si ces informations sont vraies. Ce que tu as nommé la sensualité de l'homme ou la multitude de ses relations avec les femmes, c'est une chose qui n'a pas de relation avec la religion musulmane ou la société orientale. Alors, j'aimerais te poser une question et j'espère que tu vas me répondre en toute franchise. Regarde parmi tous tes amis, tes connaissances, tes proches, qui tu connais qui n'a pas plus d'une relation avec une autre femme. Je ne dis pas tes relations. Même si tu disais mes relations. Cette situation est commune chez nous et reconnue dans notre société. Mais ça, ce n'est pas un mariage.
Ça, c'est de la prostitution. Voilà. Les mâles que tu trouves dans notre société se trouvent aussi dans votre société. Et aussi avec une grande différence dont je te citerai. Bon, je vois, je t'écoute. Je vais ajouter ceci. Que l'islam n'a pas inventé le système polygamique. Le système polygamique était déjà connu dans toutes les anciennes civilisations entières. L'homme n'avait pas un nombre déterminé de femmes. Et la polygamie était autorisée dans le judaïsme jusqu'au Moyen-Âge. Il n'y a pas de doute que dans le monde, à notre temps, flottent des idées d'interaction et de beaucoup de tendances qui font signe à la soif de l'homme contemporain de pouvoir obtenir des réponses à des grandes questions de la vie. Notre objectif est, aujourd'hui, lors de cet entretien, c'est de pouvoir sortir l'homme actuel que vous êtes, à vous sortir de cette confusion. Et cette situation va te pousser à avoir soif de celui qui va te guider sur les droits chemins. Et comme ça, le monde témoigne d'un rebondissement sans précédent dans les domaines d'ouverture au monde, aux informations et à la circulation rapide de ces informations. Le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, j'aimerais que je t'amène à une commune conviction, ou au moins la bonne compréhension des points de vue de chacun de nous. C'est alors qu'a annoncé le pape Gerstein, qui aurait vécu dans les années 960 jusqu'à l'an 1040. Voilà celui qui avait interdit la polygamie dans des églises chrétiennes. Alors, les églises chrétiennes n'ont connu l'interdiction de la polygamie que vers le XVIIe siècle. Alors, c'est quoi le sujet? Bon, le sujet, c'est le sujet du fait que je suis convaincu que la relation conjugale doit être unilatérale de deux côtés. Et d'une façon très claire, je crois qu'il y a une sorte d'injustice dans le système polygamique que l'islam a autorisé. Et elle est toujours permise jusqu'à aujourd'hui dans d'autres églises. Quelle femme tu veux dire précisément? Oh, la femme? Est-ce qu'il y a une autre femme dans cette relation? La femme? Michel, comme convenu précédemment, certes, la recherche générale des choses doit être un cadre général où toutes les questions sont considérées et organisées et nous devons les traiter sur tous les plans. Mais quel effet aurait-il sur notre sujet d'aujourd'hui? Quelle implication sur notre sujet d'aujourd'hui? Michel, son effet que lorsque nous débattons d'un sujet, il faudrait que nous cherchions les intérêts des femmes en tant que femme de sexe, c'est-à-dire les intérêts de toutes les femmes existantes dans le monde. Et s'il faut parler des intérêts de tous les hommes existants dans le monde. Voilà que nous sommes arrivés à une injustice. La femme subit dans votre communauté une injustice. Elle subit la différence entre l'homme et la femme, c'est déjà une injustice. Ce sont des valeurs que la société de l'Est a mises en place pour pouvoir exploiter la femme et jouir d'elle. C'est quelle injustice ça? Pourquoi n'est-il pas du droit de la femme de se marier à plus d'un homme et jouir comme lui? Est-ce que cela n'est pas une preuve de la sensualité de l'homme dans la société? Michel, vous m'avez vraiment bombardé toute une pluie de questions. Bon, nous allons de ce pas déceler une à une. D'après vous, n'êtes-vous pas d'accord avec moi qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? C'est évident. À mon avis, spirituellement, il n'y en a pas. Michel, je vais vous démontrer aujourd'hui qu'il y a une très grande différence entre la femme et l'homme. Il y a d'abord
les différences biologiques entre la nature des femmes et la nature physique des hommes. Bien sûr qu'il y a des différences biologiques, mais quelles relations ces différences ont à voir avec notre sujet ? Donc je vois la nécessité de s'y soumettre et d'être satisfait. Mais plutôt je te parlerai de ce point de vue en raison et face à la science dont tu crois. Écoute, monsieur. Des recherches scientifiques récemment menées ont prouvé à suffisance que la chimie de l'amour des hommes est largement loin différente de celle des femmes. C'est ce qui a incité un certain nombre des organismes scientifiques à la recherche intensive sur les différences des sentiments de l'amour entre l'homme et la femme. Les scientifiques ont trouvé des résultats étonnants qui indiquent que les gènes masculins poussent les hommes à la multitude des relations. Michel, le progrès de la modernisation culturelle ne peut pas être un clash contre l'empiètement humain. Tandis que les gènes féminines poussent les femmes à la stabilité et l'unité dans les relations. Effectivement, la science moderne a prouvé qu'un homme peut aimer plusieurs femmes sans que ceci n'influence dans son amour à l'une ou bien à l'autre. Prenons l'exemple. Le site CNN est attribué au professeur de psychologie d'une université appartenant à une province américaine appelée Joutalisa Demont. Et dans ce site, on prouve qu'il y a des preuves biologiques que la multitude des relations sexuelles chez les hommes est quelque chose qui provient de leur composition corporelle. Et à noter aussi, une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne, dans les années 2007, qui stipule que les femmes sont différentes des hommes. Et le défaut de répondre à leurs nécessités et sauter par-dessus leurs intérêts. Et si les statistiques scientifiques ont prouvé cela, certes, elles prouvent aussi que l'âge moyen des femmes est plus haut que l'âge moyen des hommes. Dans le monde occidental, les hommes vivent en moyenne 7 ans de moins que les femmes. Cette différence a augmenté régulièrement au cours des siècles passés. En Allemagne, par exemple, l'âge moyen des femmes est de 80 ans, tandis que l'âge moyen des hommes est de 70 ans. Pendant que cette différence était de 2 ans dans les années 1990. Attends.